Mes amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la découverte d'un mod, du coup, bah j'arrive un peu en retard, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Le mod, mon petit Ouni, à ce qui paraît, on va affronter un Looney géant, nous on va être minuscule, il peut nous piétiner, bref, on va voir ce que ça donne. Et alors, du coup, les copains sur le stream m'ont dit de partir avec Meg, et ils m'ont dit, tu vas voir, c'est trop drôle, ou pas, ou je sais pas. Enfin voilà, ils m'ont dit de partir avec Meg, quoi qu'il arrive. Bon, bah écoutez, je pars avec Meg, on va voir ce qui se passe, je sais pas dans quoi je mets les pieds là. Marius, merci beaucoup pour l'abonnement. On est parti. What the fuck, c'est quoi ses cheveux? Ah mais c'est pour ça du coup. Elle a les cheveux géants. Mais non. Oh putain, Looney. C'est quoi ces conneries? Je crois qu'il m'a vu. Mais what the fuck. En plus on est sur les champs pourris. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais c'est quoi ce délire? Et attends, il y a des traces de pas ou pas? Ah non, il y a pas de traces de pas, ok cool. Non mais c'est flippant. Les cheveux, ils sont trop bien. Ça n'a aucun sens. Non mais regardez ça quoi. Oh bordel. Et donc si le tueur t'attrape, c'est terminé. De ce que j'ai cru comprendre. Donc le tueur il t'attrape. Ah ouais, on est en épée 2 donc, et on peut se faire mourir, c'est ça? Tu peux pas franchir les palettes, tu peux pas franchir les fenêtres. C'est vraiment un cache-cache quoi. Ouais mais il y a 3 générateurs à faire. Ah comment il a piétiné. Ah la vache. Ah la violence. Ah mais c'est vraiment, ouais c'est vraiment un cache-cache quoi le jeu. Parce que là tu peux pas le tenir le tueur au final. Y a pas moyen, tu peux pas le tenir si tu peux pas franchir les palettes. Quoi? Attends. C'est quoi ces conneries? Il peut avoir un pouvoir? Non, arrête! Attention, le tueur voit les traces rouges. Ah ouais, moi j'ai trop l'habitude. Ah ouais, moi j'ai trop l'habitude en fait d'avoir le tueur qui... J'ai trop l'habitude d'avoir les traces rouges au sol, tu vois, c'est pour ça. Non mais... ça n'a aucun sens. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a une trappe à la fin? Il écrase les survivants littéralement, c'est trop drôle. Donc t'as pas moyen de te soigner? Non, c'est mon ami. C'est moi, elle a fait un tout petit bruit aigu. Ah ouais, donc il peut avoir son pouvoir aussi. Mais c'est abusé. Non mais ça n'a aucun sens. Le cri de Looney, ouais, le cri bien grave, tu sais. Ça n'a aucun sens, c'est trop drôle. Mais what the fuck? Dès qu'il ferme la trappe, les portes s'ouvrent. Attends, mais genre la porte elle s'ouvre instant? Ah ouais, donc en fait il a aucune raison d'ouvrir la trappe. Enfin de fermer la trappe. Au contraire, la trappe ça le met dans la merde. Ouais, t'es trop petit pour l'interrupteur. Ouais, j'avoue, faudrait un escabeau. Ça aurait été marrant qu'il mette une chaise là, tu sais, en dessous. Ou un petit escabeau là. Ah bah c'est un vrai cache-cache quoi. Tu veux mon échelle? T'as une échelle du coup chez toi pour attraper les paquets de pâtes pour faire la cuisine?
Il a pas percuté. Il est sérieux? Arrête. Oh putain la vache! Oh! Le stress, non mais de ouf! Non, tu vois, ça doit être drôle. Ouais, de ouf! Non mais sérieux, c'est n'importe quoi! Va-t-il craquer? Il était trop drôle, en vrai, il m'a laissé sortir, il était gentil. Merci Looney. Bon allez, deuxième game. Eh, c'est toujours sur la même map. C'est toujours sur les champs pourris. Ah, oh, ses cheveux, incroyable. Attendez, non mais... What the fuck. Ah, oh, la taille des cheveux, c'est insane. Mais non. Les cheveux. Mais c'est trop drôle. Oh putain, il y a le tueur. Ah non. Il a pas vu. Non. Il le dit. C'est terrible. Oh bah Clo-Clo. Les bruits aigus, c'est trop marrant. Non mais Clo-Clo là qui tombe en état critique avec son sa petite voix aiguë. C'est terrible. Ah non. Ah mais le point de vue en tueur, il doit être incroyable par contre. Le point de vue en tueur, il doit être génial. Ils ont mis la même animation que quand tu fermes la trappe, je suppose, quand tu écrases un survivant. Looney fait 15 mètres. Ouais. Ah ouais, grave. Tu regardes tes pieds. Tout le temps en tueur, je pense. C'est tellement bizarre. Ah mais moi je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça. Même si tu t'amuses de game,
Je sais pas, je trouve ça drôle. Mais Michaela, elle tient trop bien. Ah, il a le pouvoir, ça y est. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun autre générateur qui a été fait. Il va slug. Slug. C'est très hard 4K même ici. Bah s'il veut gagner, il a pas le choix, il est obligé, ouais. Slug, il veut les 4K. La vitesse à laquelle on rampe en vrai. Ah le bâtard. Bon vas-y, let's go. Ah, il m'a écrasé comme une chips. Ah, c'est terrible. Mais non. Mes amis. Ah non. Ah, j'étais pas prêt. Mais d'habitude, c'est avec la spirit qu'on voit, tu sais, ce plan d'en bas, là, comme ça. Mais là... Oh, j'ai vu quelqu'un! Y'a quelqu'un là-bas! Y'en a un! Là, il est là! Oh oui! Incroyable! Oh mince! Non! Oh bah, c'est terrible! Ah, elle voulait prendre la fenêtre, elle a pas pu! Ah, la violence! Ah non, c'est terrible! Ah non! Ah non! Oh la chips! Je te jure, je l'ai écrasé comme une chips! C'est terrible ce qui vient d'arriver! Oh my god! Y'a Jake! Il a Spring Burst! Non, non, il peut pas! Est-ce qu'il va baisser la palette direct? Il est trop fort. On est en train de se faire gen rush, les amis. C'est terrible. J'ai mon pouvoir. Je vais les démonter. Oh, ce bruit. On dirait un animal. Thank you.
Vas-y, mais c'est trop dur à gérer. J'y comprends rien. Attends, mais le pouvoir, il est trop dur à gérer! En plus, c'est moyen de monter à bout de l'ast, ok? Tu vas mourir! Ah putain! Non, mais le pied bouche, il est incroyable! Par contre, j'ai l'impression d'être le pied de môme, tu sais, qui détruit Isaac, je te promets, tu sais, c'est. Ah, c'est insane! Mais c'est n'importe quoi, c'est trop drôle! Ah ouais, tu peux monter à bout de l'ast et tout, ouais, ouais, tu bout de l'ast! Je te jure! Pourquoi avoir laissé la soif de sang? Ils veulent que ça aille vite. Techniquement, ils veulent que ça aille vite, donc en vrai, ils laissent la soif de sang pour que Looney puisse s'attraper facilement, quoi. Par contre, on voit rien, au secours. Il y a des moments où ma tête, elle me fait... Il y a des moments où ma tête, elle me joue des tours, hein, quand même. Hein. Mon masque, mon masque. Ah, c'est la même animation, en fait, quand tu fermes ma trappe et quand t'écrases un survivant. Ah, c'est drôle. Franchement, c'est marrant. On va s'en refaire une petite. Bon, allez, mes amis, une autre petite game avec... putain. Looney. Mais ouais, ce point de vue, normalement, c'est avec la spirit qu'on a ça d'habitude. Putain, je crois que j'avais pas passé. Ça joue sneaky. Oh là là. C'est quoi ce genre de prop night là, dis donc? Le mec a pas compris le concept, tu sais. Ce mode c'est Toy Story, jouet versus human. Ouais, ça va et toi, Moritao, comment tu vas? Oh, mais je vois l'Aurora, c'est abusé, non? Pourquoi je vois l'Aurora d'ailleurs? C'est abusé! Ah non, mais c'est terrible. Putain. Oh, la Nea, comment elle joue bien.
Il reste plus qu'un gène. Je te vois, Jeanne. Ouais, donc là, si je veux faire 4K, je dois slug à la fin. Bon, on s'en fout, on va pas slug en vrai. Parce que là, du coup, si je la tue... Ça ouvre la trappe. Et donc, si je ferme la trappe, la porte est s'ouvre instant. Ok. Bon après, le but c'est pas de 4K, on s'en fout. J'ai vu un corbeau s'envoler par là-bas par contre. Ou alors je suis fou. Mais il y a des moments où je vole au ras des survs. Oh, la trappe elle est là. Donc là, je fais ça et les deux portes sont ouvertes. Ok. Et donc Néa elle peut sortir. Ah c'est marrant, franchement c'est drôle. Après je sais pas pourquoi vous disiez les amis que c'était vraiment trop dur en Looney. Et je comprends pas pourquoi est-ce que personne veut jouer Looney, je trouve ça trop drôle aussi. En fait je trouve ça drôle des deux côtés. Après ouais j'y jouerai pas diplôme hein. Pour le coup j'y jouerai pas diplôme, j'y jouerai à la rigueur. Bah là ça fait combien de temps, on a fait 4 games, ça doit... J'y ai joué une petite demi-heure quoi. Je trouve ça vraiment drôle, c'est original, ça change. Après ouais j'y jouerai pas non plus diplôme hein. Pour être honnête mais non c'est bien ouais c'est cool. Pour un événement qui dure 48 heures, c'est bien. Alors d'ailleurs, petite info, vu que cette vidéo ira sur YouTube, voilà, le mod de ce que les copains m'ont dit, il dure jusqu'à donc demain. Je vous donne les dates parce qu'on sait jamais quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc moi, je sors la vidéo ce soir. Je voulais la sortir rapidement, histoire que vous ayez les infos. J'étais pas du coup disponible hier, le jour de la sortie donc de l'event. Donc le mod, il dure jusqu'à donc demain, mercredi, 17h, de ce que les copains m'ont dit. Voilà, il dure que 48 heures, c'est rapide, c'est court. C'était un peu un genre de poisson d'avril ce mode au final vu qu'il est sorti le 1er avril. Mais bon ouais c'est pas un truc dingue. Mais je trouve que c'est drôle pour quelques petites games comme ça. D'histoire de rester dans l'univers du jeu en jouant un peu différemment, why not en vrai. Oh c'était drôle.